bird machine. Check. Je sais pas, vous avez sans doute dû voir les petites choses que j'ai faites ce matin. Donc ce matin j'en ai profité pour préparer du moins le repas de Noël. Donc j'ai commencé tout ce qui est préparation. Donc moi je m'occupe de l'apéro en priorité. Donc du coup j'ai fait des petits croissants et tout ça. Donc du coup là c'est en train de cuire pour le moment. Donc j'espère que ça va être bon. Faut pas trop les cuire parce qu'après je les mets au congélateur. Donc après quand on les ressort il faut les recuire un petit peu, les réchauffer. Donc faut pas trop les cuire, donc moi je presque à peu près 10 minutes, 10 minutes en tout, à 180 degrés à peu près, après à voir si votre four chauffe assez bien ou pas. Donc du coup là c'est en train de cuire. Pendant ce temps là je voulais vous ouvrir les calendriers de l'avant avec vous parce que il est déjà pratiquement 1 heure, après je vais manger. Et cet après-midi j'ai mon électricien qui vient, mais normalement il faut aussi que j'emballe les cadeaux. Je commence à emballer les cadeaux et autant vous dire que j'ai du retard parce que j'ai quelques cadeaux emballés, bon c'est pas non plus beaucoup de cadeaux emballés puisque en réalité les cadeaux de mes nièces sont déjà emballés à l'avance, ils sont déjà rendus chez ma soeur pour le jour Noël parce que sinon il fallait une remorque hein, sincèrement. Donc en fait on les a fait emballer directement, on a acheté des jouets à Jouet Club et du coup on les a fait emballer directement chez Jouet Club, c'est bien plus pratique. On a déjà mis les noms donc ça c'est pratique aussi et on a tout emmené chez ma soeur pour Noël du coup, donc bien plus pratique aussi. Olivia. Bah oui mon bébé. Donc du coup aujourd'hui jour numéro 19. Oui on est 19. Oui on est 19. Je sais plus où est-ce que j'en suis. On est 19 ou on est le 18? Je sais pas. Puis j'ai pas mon téléphone qui est à côté de moi. Moi je viens de vérifier, on est bien le 19. Je suis un peu perdue, moi ça avance tellement vite. Donc le numéro 19, on commence avec le Young Candle qui part ici. Et le numéro 19 il est là. Bon allez, c'est parti, on ouvre. De toute façon, le Yankee Candle, on a compris que c'est tout le temps les mêmes. Et celle-là, c'est la Star Arise, enfin Star Anise in Orange. Donc je l'ai déjà, je vous l'ai déjà dit, je l'avais en grande déjà celle-là. C'est comme la macaron gelée, la Christmas Eve aussi, donc... T'en penses quoi, Olia? Attention, hein. Et je le mets là parce que sinon, elle va gratter la bougie. Et le 19 est là, donc c'est pas... un grand, c'est là. Donc c'est pas grand du tout. Donc on ouvre. Ah, un mars. Bah, ce sera pour mon dessert, je pense. J'ai super hâte d'ouvrir la case 21 parce que la case 21 est super grande. Donc j'essaie d'ouvrir les autres cases pour voir où j'en suis parce que j'ai quand même ouvert pas mal de cases. On est quand même bien avancé dans le calendrier de l'avant, mais j'ai l'impression que les cases, on les voit pas. Donc j'essaie de les rouvrir un petit peu. Pour ne pas me tromper et trouver plus facilement les autres parce que c'est un peu embêtant à chaque fois. Donc il y a la 22 qui est là, il y a la 21 qui est là, 22 qui est là, 21 qui est là, 20 qui est là. La 20 aussi elle doit être pas mal. Regardez, c'est une grosse case. Je pense qu'elle doit être pas mal, la numéro 20 qui est là, là. Elle prend tout ça. Donc, je pense qu'elle peut être pas mal en fait. Donc on va bien voir. La 23 est toute petite. Ouais bah écoutez, on verra bien, de toute façon on arrive bientôt à la fin, on est à moins d'une semaine de Noël. Donc moi je fais le réveillon de Noël le 24 au soir en petit comité, on fait ça, on fait quelque chose de simple parce qu'après le lendemain on fait de Noël, on va dire en grand vu que bah on a vraiment toute notre famille, vu qu'on a une petite, enfin on a une grande famille mais c'est vrai que c'est un peu compliqué lorsque tout le monde s'entend pas et... Enfin bref, je vous explique pas mais c'est comme ça dans toutes les familles, donc du coup... Le 24 on fait ça en petite comité, ceux qui peuvent venir. Et puis bah, le 25 on fait ça en gros comité on va dire. Et on est 10 en tout, donc 10 ou 11. Je sais plus parce que cette année il y a mes nièces comme l'année dernière. Mais l'année dernière on les comptait pas parce qu'elles mangeaient pas. Et
Et puis là, cette année, elle mange un petit peu quand même. Donc, elles ont quand même un an et demi, donc forcément. Et puis du coup, aujourd'hui, on est le 19. Et demain, eh ben, Olia, elle aura quel âge? T'auras quel âge demain? T'auras 6 mois? Bah oui, elle est née le 20 juin 2018. Donc demain, elle aura 6 mois. Bah oui, mon bébé. Déjà, 6 mois et tu es encore pas totalement propre. Bah oui. Il va peut-être falloir se dépêcher. J'ai entendu dire que normalement ça peut prendre longtemps, certains chiots, donc à voir. Mais c'est vrai qu'elle est encore embêtant. Si vous avez des astuces à me proposer pour qu'elle soit plus propre, plus facilement et qu'elle prenne le pli, je suis preneuse parce que là, du coup, le matin, je la sors. Donc la première pissette, on va dire, du matin, sans problème. Vu qu'elle est pressée, bah, elle a dormi toute la nuit. Donc elle n'a pas pu aller faire elle a pas pu aller faire ses besoins pendant la nuit. Donc du coup la première pissette elle l'a fait dehors sans problème, mais le problème c'est qu'elle ne demande pas à sortir pour faire les autres pissettes dans la journée et même pour faire ses autres besoins, elle ne demande pas non plus, donc c'est un peu embêtant. Et elle arrive encore à me faire on va dire des pipis à côté de la laisse ou autre part, et alors que j'ai quand même plusieurs allèches chez moi et je les change assez régulièrement pour qu'elle continue à faire sur les allèches. Donc je sais pas, si vous avez des idées, si vous avez des astuces pour qu'elle soit propre. Là du coup je suis en vacances pendant 3 semaines, donc là c'est vrai que je vais avoir plus de temps de m'occuper d'elle, mais la sortir c'est bien joli, mais le problème c'est que je la sors et je la sors au moins un quart d'heure, 20 minutes. Et bah non, elle va se retenir et quand on va rentrer, elle va les faire. Et c'est le moment où j'ai retiré les chaussures, où j'ai enlevé mon blouson, et forcément quand je la vois faire, bah elle est trop tard parce qu'elle a déjà fait. Voilà, donc j'ai beau être essayer d'être sur son dos, c'est pas toujours facile. Donc si vous avez des astuces, dites-moi tout parce que j'en ai besoin, mais vraiment, parce que c'est pas comme si que j'avais pas un extérieur, l'extérieur clôturé. Mais il faut quand même que je sorte avec elle parce que sinon on sait jamais, il y a quelqu'un qui peut rentrer vu que c'est une cour commune. Donc je me méfie quand même. Mais du coup, c'est quand même clôturé, donc je peux la mettre dehors sans problème. J'ai pas besoin d'aller la promener en soi pour aller faire ses besoins. Puis comme elle aime pas trop la laisse, c'est un peu compliqué. Donc comme il pleut pas mal en ce moment, bah pour la sortir c'est un peu problématique. Donc je sais pas, vous sortez vos chiens même s'il pleut, dites-moi, parce que c'est une frileuse mais un truc de fou. Et hier elle en a bien profité, elle s'est promenée un peu chez mes parents, c'est clôturé et du coup c'est fermé, donc ça craint rien. J'ai mis son manteau, j'ai laissé se promener un petit peu partout. Même si elle est pas grosse, ça risque de passer entre les mailles du filet comme on dit. Mais elle s'aventure pas, donc non, tu t'aventures pas. T'es en sécurité, tu le sais. Donc je pense que c'est pour ça. Donc dites-moi si vous avez des idées. Hein? Et puis moi, il va falloir que j'aille voir parce que je crois que mes croissants, ils m'ont cramé à force. Bon, ça y est. Donc, ils sont pas cramés, hein, heureusement. Donc là, c'est la tournée pour le 24, on va dire. C'est un petit comité, donc j'en fais pas énormément vu que j'ai prévu d'autres petits fours, petits d'autres apéros. Et là, du coup, c'est pour le 25. Donc on est, ouais, comme je disais, on est 10 ou 11. Et bon, les petites, elles comptent pas, elles comptent un peu moins vu qu'elles mangent pas énormément. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc là, je vais attendre qu'elles refroidissent un petit peu. Je vais les, après, une fois qu'ils sont moins de froid, je vais les mettre au congélateur. Je vais les laisser se congeler. Et une fois qu'ils seront congelés, je les mettrai dans des petits sacs à congélation. Parce que là, du coup, sinon, ils vont se coller. Donc faut toujours laisser sur les plaques quand vous congelez quelque chose, mis à part le pain. Il faut toujours laisser sur les plaques congelées, et après, une fois que c'est fait, une fois que c'est congelé, vous pouvez les mettre dans des sacs à congélation. Je sais, j'ai beaucoup d'astuces pour la congélation parce que comme je suis toute seule, bah, forcément je fais souvent en gros. J'ai pas envie de m'y remettre plusieurs fois. Et du coup, bah voilà, voilà pourquoi j'en connais quand même pas mal.
bon, il est 17h05 et du coup l'électricien vient tout juste de passer. Et autant vous dire que j'ai l'impression d'être folle, que c'est avec moi, que ça va pas, ou je sais pas, j'ai une poisse d'enfer, je sais pas. Mais du coup, il est venu et en fait, ça fonctionnait. Donc, le même problème que j'ai eu au mois d'août. Et en fait, pour lui, il faut vraiment qu'un couvreur vienne vérifier, chose qu'il m'a déjà dite. Et tant que bah, mon propriétaire ne se maniera pas et ne fera pas venir un couvreur, en fait, bah, le problème peut se reproduire. Donc, pour lui, soit il y a un problème de fuite, ou alors c'est la ligne qui marche mal. Donc si c'est la ligne, bah, faudra qu'ils aillent vérifier là, qu'ils aillent vérifier, et sinon faut changer la ligne. Donc ça c'est génial de faire changer la ligne. Il m'a dit c'est du boulot de faire changer la ligne, donc il m'a dit j'espère que c'est pas ça. Du coup on n'est pas plus avancé, donc c'est un peu embêtant. Donc là du coup on va essayer de passer outre, on va passer de bonnes fêtes, on va plus penser à ça en espérant qu'un couvreur intervienne quand même assez rapidement, parce que j'ai pas envie que ça fasse un trou non plus dans mon plafond, on sait jamais. Donc du coup là on va passer à autre chose, on peut en parler et puis ça sera mieux je pense. Qu'est-ce que t'en penses Olia? Bon sinon entre l'arrivée de l'électricien et puis la fin de mes emballages de cadeaux, d'ailleurs vous avez dû voir j'ai galéré sur un des cadeaux, je me suis pris la tête, je sais même pas pourquoi je me suis pris la tête sur ce cadeau là. Alors que j'aurais pu avoir une autre chute, mais bon, faut pas chercher, hein. Et du coup, j'en ai profité pour monter mon vlog. Donc le vlog d'hier, hein, qui dure quand même 14 minutes 40, je pensais vraiment pas qu'il durerait autant. Donc je l'ai pas combiné à celui-là d'aujourd'hui, donc je l'ai mis en vlog seul. Du coup, je viens tout juste de le mettre en ligne, donc j'ai eu le temps de tout faire. J'ai eu le temps de faire la mise en ligne. J'ai eu le temps de le monter, j'ai eu le temps de faire la barre d'infos, j'ai le temps de faire la miniature, du coup il vient tout juste d'être en ligne, donc je vous montre ça tout de suite à quoi il ressemble. Du coup là il est 17h passé comme je disais tout à l'heure, donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller me changer, me mettre en tenue de sport, puisqu'après je vais aller voir une copine vite fait au passage en allant au sport, du coup parce que j'ai sport à 19h45, donc si je pouvais être chez elle vers 18h, un petit peu avant 18h, ça serait cool, comme ça je reste une bonne heure et puis après je vais chez ma soeur et puis on va au sport, donc ça serait plutôt cool. Et puis du coup après ce soir quand je vais rentrer je vais pas avoir grand chose à faire, donc je pense que je vais commencer à monter le vlog d'aujourd'hui ou alors monter la vidéo Get Ready With Me que j'ai faite, qui est en train de charger sur mon ordinateur, enfin sur l'application de montage, donc je vais bien voir si ça avance ou pas, mais il faudrait que je le fasse parce qu'au final, quand j'ai vu, et ça m'a fait extrêmement peur, j'ai vu qu'il y avait 50 minutes à éditer. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Donc je crois qu'il y a des trucs, il va falloir que je supprime. Enfin, quand je dis supprimer, c'est parce que j'ai fait certaines choses. Il va falloir que je. que j'aille au rapide aussi, que je. J'ai certains passages que je les mette en mode rapide. Et des passages que j'ai filmés, je sais pas pourquoi. Donc je veux bien voir pourquoi. Quoi j'ai filmé ça, sur le moment je trouvais peut-être que c'était important, j'en sais rien. Donc là je vais bien voir, donc ce soir je vais essayer soit de monter le vlog d'aujourd'hui ou alors de commencer le montage de la vidéo. Parce que j'aimerais bien la poster, on est déjà mercredi, j'aimerais bien la poster vendredi ou plus tard. Ça serait cool, donc surtout qu'après je sais absolument pas ce que je vais faire comme vidéo. Je suis en train de réfléchir, je pense qu'il y aura un autre Get Ready With Me pour le nouvel an. Mais j'aimerais bien faire une autre vidéo entre temps. Donc je sais absolument pas, il faut que je réfléchisse à tout ça. Et du coup, je suis déjà en train de penser à l'année prochaine. Moi. Je vous explique pourquoi en fait. En fait, je suis déjà en train de penser que l'année prochaine, j'aimerais bien changer de fond, de fin de vidéo et de changer mon style de barre d'infos. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'ai envie de faire ça. Arrête Olia. Et je sais pas, je pense que je vais faire quelques changements sur YouTube. Notamment, de toute façon, il va y avoir une vidéo... résolution de l'année, donc je vais en faire une, il n'y aura peut-être pas grand chose, et il faut aussi que je fasse la vidéo point sur mes résolutions, donc peut-être que je vais, peut-être que c'est une bonne idée de faire ça entre les deux Get Ready With Me, je vais voir ce que je vais faire, et puis surtout il faut que je fasse vraiment le point sur mes résolutions de l'année, que je re-regarde à nouveau ma vidéo, voir ce que j'avais mis, et voir ce qui s'est passé, mais en fait il n'y a pas grand chose de changé par rapport à l'année d'avant. Donc je vous ferai le point de toute manière, de toute façon c'est sûr, parce que sinon j'aurais pas fait de vidéo résolution de l'année. Sinon du coup j'en profite vite fait pour vous demander, avant d'aller me changer,
C'est qu'est-ce que vous voulez voir cette l'année prochaine sur ma chaîne du coup, parce que je filme beaucoup de choses, je vous présente beaucoup de sujets différents. Là, il faut vraiment que je me mette à la troisième partie de ma vidéo sur l'écriture. Donc, c'est sur les synonymes, je crois que j'avais dit. Je sais plus ce que j'avais mis. Il faut que je regarde à nouveau ma vidéo parce que je suis un peu perdue. Et il faudrait vraiment que je fasse une troisième partie. Il faudrait aussi, et j'aimerais bien refaire une vidéo sur mes dernières lectures, mais en fait, j'ai pas fait beaucoup de lectures, donc je sais pas. De toute façon, il y aura un favori 2018 qui arrivera, donc. Bah oui, mes plus gros favoris 2018, donc ça, faut y compter dessus. Mais vraiment, dites-moi ce que vous voulez voir l'année prochaine, parce que je fais beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ma chaîne, c'est du lifestyle en fait, elle parle de beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire le maquillage et tout, et faire des vidéos sur le maquillage et tout ça, mais je sais pas si c'est ce que vous aimez le plus. Donc je sais que la vidéo la plus regardée sur ma chaîne, et d'ailleurs c'est super étonnant, c'est ma vidéo sur mes chaussures d'été. Et c'est super surprenant, je dois avoir 600 vues. Attendez, je vais regarder ça vite fait, combien j'ai de vues, mais c'est juste hallucinant. J'ai jamais eu autant de vues sur une vidéo sur ma chaîne en fait. Et je sais absolument pas pourquoi. Bon, en fait, je suis une menteuse, il y a 715 vues. Moi, ouais, je m'étais arrêtée à 600. Donc c'est plutôt pas mal. Après, j'ai. Ah ouais, dis donc, j'avais pas vu qu'il y avait autant de vues sur le crash test Joka. Oh là là, j'avais pas vu ça. Si je vérifie pas énormément mes vues en fait, si vous voulez. Normalement, il y a le crash test aussi, crash test Dermacol. Ouais, 200 vues. En fait, c'était quand même une de mes vidéos les plus regardées. Au final, il n'y a pas tant de vues que ça. Et ma vidéo sur les situations en caisse, il y a 233 vues. Ok. Donc en clair, ça reste toujours ma vidéo la plus regardée. Du coup, c'est vraiment celle-ci. Après, c'est Juka Dermacol. Et non, même pas. Les situations en caisse et après Dermacol. Donc ça a totalement changé par rapport à mes statistiques du début d'année. Et du coup, je vois qu'en fait, ce genre de vidéos sur mes chaussures, ça vous plaît. Donc je sais pas, pourtant, mes autres vidéos sur les chaussures n'ont pas fait autant de succès, donc je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre, mais bon. Si vous ne savez pas de quelle vidéo je parle, en fait, je parle de celle-ci. C'est vrai que c'est la vidéo qui a le plus de commentaires d'ailleurs. Il doit y avoir 7 commentaires. Mais 7 commentaires, mais il doit y avoir la moitié qui soit moi. Parce que je réponds en général. Donc ça peut vous plaire, et les vidéos comme ça, je vois que ça vous plaît, mais après je vois pas l'intérêt de vous refaire une vidéo comme ça l'année prochaine avec les mêmes chaussures, quoi. Parce que en réalité, j'ai tout le temps les mêmes chaussures, je rachète très rarement. Enfin, quand j'en achète, c'est quoi, une paire tous les 6 mois, non, pour rire. Je crois que c'est une paire tous les 6 mois, donc. J'ai toujours mes anciennes chaussures, elles sont pas abîmées, donc je les garde, donc il n'y a pas de raison. Donc dites-moi si ce genre de vidéo, ça vous plaît à ce point ou pas, parce que j'aimerais bien savoir quand même. Oh, et j'allais oublier. J'ai commencé The Innocent, donc je vous en ai parlé dans l'une de mes vidéos. Je sais plus, c'était pour le Back to School, je crois. Et je suis mitigée sur cette série. Là, je suis pratiquement au milieu de l'épisode 8 et je sais vraiment pas quoi en penser parce que c'est le dernier épisode de la série. Enfin, de la saison 1 du moins. Je sais vraiment pas quoi en penser. Donc, je vous tiendrai au courant, je vous donnerai mon avis, je pense, dans l'une de mes vidéos. Mais je suis un petit peu mitigée, je sais pas. Donc, vous voyez, j'ai pas ce déclic que quand un épisode se termine, j'ai absolument envie de voir l'autre. Voilà. Donc, ça me dérange un peu. Mais après, ça veut pas dire que la série est mauvaise, loin de là. Mais je vous raconterai ça un peu plus tard et je vous donnerai mon avis sur The Innocence. Mais oui, sinon, si vous voulez la regarder, regardez-la, ça vaut quand même le détour. Mais je sais pas, je vous en reparlerai. Et voilà, je viens de rentrer du sport, donc là, je suis pas crevée, mais presque. Donc du coup, je vais vous laisser maintenant parce que là, je vais me faire un smart meal pour comme dîner, on va dire, un sous-chèque, quoi. Et puis je vais aller prendre ma douche et je vais aller me coucher. Mais avant de me coucher, je pense que je vais monter le Vlogmas. Ou alors je vais, comme je disais tout à l'heure, commencer le montage du coup de la vidéo Gâterie de Vlogmas. Donc je vais voir ça et puis voilà. Donc du coup, je vous dis donc à demain dans un nouveau Vlogmas. Et c'est le Vlogmas numéro 20 demain. Donc bisous et puis à demain. Et au lire aussi, vous dire au revoir.